sûr de nettoyer la mémoire de Ruben Niobe. S'il faut aujourd'hui qu'on la salisse, je la nettoie. Et nous devons nettoyer la mémoire de tous nos héros. On ne doit pas salir la mémoire d'un enfant de l'Afrique. Que ce soit la tombe de Douala Mangabe, je l'ai toujours nettoyée, demandé un peu en bon moment. Nous sommes partis plusieurs fois là-bas. Donc il est important que les Camerounais qui pensent que nous devons salir la mémoire de nos ancêtres parce que certains veulent créer un conflit, il n'est pas question. Donc mon objectif est bien évidemment de nettoyer la mémoire de nos ancêtres, de faire briller cette mémoire, de rendre cette mémoire une mémoire de fierté pour nous parce que nous connaissons de quoi il s'agit. Pas du tout, puisque ça a des conséquences très négatives sur l'aspect de vivre ensemble. C'est une très mauvaise chose que d'avoir ce genre d'attitude. Je le dis au niveau du fond, parce qu'il y a la forme, mais maintenant il y a le fond. Parce que le fond peut guider la forme, mais maintenant entre les deux, il faut faire un bon parallèle. Donc s'il faut bien comprendre, ils n'auraient jamais dû le faire. Jamais. Ils ont osé faire quelque chose qu'aujourd'hui, les sanctions peuvent être très, très désastreuses pour la paix sociale au Cameroun.